Tout d'abord, réveil aux alentours de 9h. Quand c'est à l'extérieur, petit déj collectif. En général, on commence le matin par un petit shooting qui dure à environ 1 heure, histoire de se décrasser un peu et de retrouver un peu des sensations pour le match le soir. Et ensuite, à midi, on mange. Bon, rien d'exceptionnel, c'est surtout pâtes, poulet, c'est quelque chose de très diététique. Et puis après la sieste assez primordiale surtout pour moi. Ça peut durer entre 1h30, 2h, mais ouais, allongée dès 1h30. Merci. Bah oui, j'ai plus 15 ans, on va t'en dire. Semaine, on change en fonction de l'équipe. On révise les systèmes de l'équipe adverse. Beaucoup de travail vidéo, j'ai envie de dire. Déjà, je pense que je regarde 2 à 3 matchs en essayant de trouver une adversaire qui me correspond pour essayer d'analyser la joueuse que je vais jouer le samedi. Alors, l'utilisation de la vidéo, c'est quelque chose aujourd'hui qui est pratiquement indispensable. On l'utilise de différentes façons, collectivement, individuellement. Je pense que c'est important que les joueuses aient un retour sur elles-mêmes par rapport aux consignes qu'on leur exige. On a souvent, quand on est coach, l'habitude de pointer du doigt ce qui ne va pas et on essaie plus d'utiliser la vidéo pour pointer ce qui va plutôt bien, de façon à le nourrir en confiance, être capable de le réitérer à l'entraînement et sur les matchs suivants. Après le soir, en général, on se retrouve à la salle pour 18h30 quand le match est à 20h. Et là, on commence l'échauffement un peu individuel et ensuite collectif à 30 minutes du match. Je parle très peu de l'adversaire le jour du match. Il n'y a pas de débrief particulier par rapport à notre stratégie. Les choses sont mises en place régulièrement chaque jour de la semaine. Le jour du match, ça peut être joueuse par joueuse, des petits mots qui passent, des petits rappels assez succincts, et puis un bon débrief d'avant-match dans le vestiaire, avant qu'elles aillent à l'échauffement. La fierté, la dignité, si on le gagne, ça me donnera énormément de confiance. Donc il faut jouer sur ça. Maintenant, pour le gagner, pour réussir des paliers, on va déjà se concentrer sur les 20 premières minutes. Que chaque action positive nous entraînera vers cet objectif de tenir les 20 premières minutes. On est d'accord avec ça? Bien concentré. Et lâchez-vous, hein. Lâchez-vous. Prenez des risques dans ce que vous allez entreprendre. 1, 2, 3, ensemble! Bon match, j'ai fini. Good game.